Et bonjour YouTube, c'est Sky, et aujourd'hui on se trouve pour l'épisode numéro 14 de Core RP. Et ce dans cet épisode, je vais vous expliquer un petit peu. Du coup, je sais pas du tout si vous avez été, si je vous avais mis au courant dans l'épisode précédent, mais en gros, cet épisode-là, on va attaquer une brigand, donc une base de brigands. Pour ça que là, on est dans un espèce de campement qu'on a fait avec quelques habitants du village en armure, puis des T-Rex, tout ça. Donc du coup, voilà, du coup, j'ai un problème d'enregistrement encore une fois, j'ai jamais de chance moi, mais encore une fois, j'ai un problème. En gros, mon micro n'a pas été enregistré dans les séquences que j'ai enregistrées. Du coup, on m'entend pas parler. On entend tous les autres sons, sauf moi parler. Donc du coup, je vais vous faire un petit montage. De toute façon, la bataille n'était pas très épique parce que voilà, le brigand était tout seul en face. Donc du coup, vous doutez bien qu'on l'a un peu défoncé. Donc voilà. Donc je vais vous faire un petit montage. Ça va être un peu stylé, vous allez voir. Et puis voilà. Du coup, je vous laisse sur la vidéo. Et puis voilà. Lâchez le pouce bleu comme d'habitude. Et puis voilà. Bon visionnage. Piège. Oh, attendez, 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 n'y allez pas. Julie, sors de là. Attendez, je détruis les pièges. Tyrion, oui. Voilà. Ah bah très bien, je crois qu'il était Julie. Attendez, je détruis les carrière, pièges. C'est Tyrion. Je suis le démineur, laissez-moi faire. Et sauf faire le Tyrion le démineur. Fais gaffe à lui là, fais gaffe à lui là. C'est Dimorphodon, hop là. Attends, sors, sors, tire. Oh putain, sors, 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 Tyrion, sors. Ah bordel, mais tu dégages là. Mais laissez-moi... Mais tu sors au-dessus des pièges, putain, pas compliqué. Bon alors, il est où? Bouclier en avant, bouclier en avant! Il est où, il faut est où? Faut tuer le Dimorphodon? Avance aussi, avance! Oh, il a utilisé le lit! Mais putain, mais saute, Dwalin, c'est pas compliqué! Voilà, saute, très bien! Ah bah là, je me suis fait bolasse! Eh bah très bien, ah je oui, suis resté comme ça! Oh putain, mais il est là, bougez pas, bougez pas, bougez pas! Sors, 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 tiens! Toi, tu bouges pas, toi, tu bouges pas, tu bouges pas, toi, tu bouges pas! Attention! Mais putain! Mais Tyrion, est-ce que je t'ai dit de le toucher? Tyrion, lâche-le! Putain, mais tu crois qu'Avel Bolas, il peut bouger? Et voilà. Et voilà, c'est pas bouger. Il s'est attaché. Et Dimorphodon. Vous lui mettez les menottes. Oh, attendez, il faut tuer ce connard là. Et chien tombé ce tuyau là. Quelqu'un qui peut le bolasse. Mais il est bolasse là le bordel là. Ah, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mettez-lui les menottes. Eh, très bien, très bien. Les menottes. Et hop là, les grappins, tu me le donnes. Grappin, tu me le donnes. Donne-moi le grappin, donne-moi le grappin. Tenez. Daenerys. Merci. Oui. Off. Tu peux rentrer par la porte. Vous auriez pas un peu de... Ils viennent 3 ans après celui-là. T'as grandi la porte. Ah bah t'arrives à l'heure. Salut papa. Le conseiller de la défense. Eh hop là, toi tu viens là. Oh merde. Il arrive à... Arrête. Toi tu viens là, tu viens là, toi tu viens là. On peut pas les casser, faut les déminer. La loutre elle est à qui là? Ah oui bah oui. Viens là toi, viens là toi. Toi tu veux la forêt, tu vas voir. Bah eux, bah lui tu crois que c'est elle. Allez, faut la flinguer. Et hop là, viens là toi, viens là toi. Attends. Non, tu peux pas casser le truc. Elle va ramener tout ça. Putain mes bonto.
Il en reste plus aucun. Des bandes de salicots. En tout cas, dis aux autres connards de venir là, parce que bon, ils vont pas s'amuser à déminer des pièges à ours. Non, il s'appelle Tardolin. Ardolin, mais très bien. Ardolin commun. Et le brave. Le brave. Et le brave. Ah, espèce d'enculé. De balan le brave. Et tu sais, espèce d'enculé, c'est ce qui arrive à ton frère. T'as vu, je sais. Oui, tu l'as tué. Tu l'as tué, espèce d'enculé. Je suis désolé. Et tu t'en branles, on dirait. Non, ça tue son frère, il s'en fout. Ouais, c'était un brave, mais t'es un peu casse-couille quand même. D'accord, d'accord. Et alors, pourquoi avais-tu construit une base sur mes terres sans m'autorisation? Et pourquoi tu avais braconné aussi tous ces brontosaures, tout ça là? Pourquoi tu as aussi fait tes armes à la con là? Sans mon autorisation. Parce que je suis un brigand, ça me l'a dit. Il contre lui. Il le reconnaît. Ah bon, mais très bien. Bon, mais s'il est con et qu'il le reconnaît, c'est pas... Gravel, hein. Ouais, mais c'est très bien. Bon, je vais vous laisser choisir alors. On a deux sanctions disponibles. Donc on a... Donc on a... Soit on l'apprend à nager, mais avec Ayonote. Avec les Sarko. Avec Sarko. Et Espino. Et les Barrio. Bonjour, et Capro. Et les grenouilles. Les voilà. Et sinon, vous, sinon on t'apprend à courir avec des serpents au cul. Voilà, donc du coup, ceux qui... non, c'est pas toi qui choisis. Alors, oui, ceux qui votent pour... On peut courir dans l'eau avec les sarcos et les serpents. Non, arrête. Non, on peut pas. Ceux qui votent pour qu'on lui apprenne à nager, lève la main. Ceux qui votent pour qu'on lui apprenne à courir avec les serpents, lève la main. Allez hop. Allez, très bien alors. Alors bougez pas Ardolin, ça pique. Je pense pas. Ce sera plus marrant. Oh non, ça aurait été marrant, le supplice des trop d'eau. Hop là, viens là, merci. Hop là. Venez. Ah mais j'aime pas quand les jeux sont coopératifs. Allez, viens là. Il est gratuit. J'espère que t'entendais pas la pluie chez moi, vraiment, sinon je suis désolé, ça tonne de fou. Alors attendez. Si tu veux. À moins de te escalier, sinon tu te casses les phalanges. Vas-y. Alors, du coup, Agravin, mets-les en bas. Agravin, mets-les en bas. En bas où, nous? En bas. En bas où? Eh ben, suivez Agravin. En bas sous la place? Oui. En bas là. Ah d'accord. Le collard reste ici, s'il te plaît. Ne bouge pas. Tu les entends là, ils grognent en bas là. Oh, c'est magique! Vous approchez pas parce qu'ils touchent. Oui, je sais. Et Julie, pop, dépêche-toi. Bon, et vous Ardolem, et te... Je dois talent, c'est parler à l'oreille du cerveau. Ah, très bien, ça me branle. Ardolem, avez-vous un dernier mot à dire avant votre mort? Je vous aime. Agravin, je vous reconnais, je t'aime. Naga. Oh, il nous aime. Oh, il nous aime. Très bien. Bon, alors... Bien fait, le tomber. On le fait... Eh, Julie, qu'est-ce que tu fais là, putain de merde? Rejoins les autres. Avant que je te tire une flèche dans la gueule. En bas, suis-moi. En dessous, putain. T'es toujours perdu, ça. Descends. T'as une mère vraiment pas un sens de l'orientation. Non, ça c'est sûr. Et le fils c'est pareil. Je suis sûr que si j'ai un sens de l'orientation. Ben non, parce que t'as voulu être garde et du coup tu n'es même pas orienté en tant que garde. T'as même pas promis, donc t'es con. Il est promis à sa femme. Bon, avance putain, tu peux te mettre sur le bord. Attends, s'il te plaît, est-ce que je peux être une grosse patate de forêt? J'ai trop envie. Eh, Gravin fait... Oh là, il fait du vol de serpent. Allez, 3, 2, 1, patate de forêt. 2. Oh, pas un coup, putain, t'es résistant. Deux. Et je. Oh, Gravin, mais non, parce que ça me démange, mais t'inquiète pas, je vais le balancer, j'attends qu'il se réveille. Mais ça me démange, je lui ai demandé l'autorisation, il m'a dit oui. Bonjour, toi. Il se magnifique. Mais du coup. J'attends qu'il se réveille et puis ta gueule. Le serpent de merde. Parce que moi, je le vois. Ah, tu le vois à travers. Hop là, il gogolise la portière. Moi je le vois très bien. Ardolin s'étouffe déjà quoi. Bon, t'es prêt Ardolin? 3, 2, 1. Dis bonjour au serpent. Et merde. Et ça a raté. Eh ben poussez-le. Mon roi, vous êtes. N'endormez pas. Vous êtes sûr que ça marche? Ah, il est coopératif, c'est bien. Allez, saute, allez, cours. Cours à foison, je te regarde. Cours à foison. Vas-y. Oh merde, moi aussi je me fais défoncer la gueule.
Ah, c'est bon. Je vous avais dit, je pouvais parler à l'oreille des serpents. Il va dormir en 2 secondes. Juste qu'ils sont attirés sur nous, en fait. Oui, reculez. Et puis regardez sa tête, lui. Et mon roi, reculez, il veut vous attaquer, vous. Bah non. T'es mal gardé, il veut se rebeller. Moi, t'as sinon. Je vais l'aider, t'inquiète pas. Allez, dépêche-toi. Gardez-le le serpent. Il va se faire bouffer. Gardez-le, il est endormi, Et alors, ça fait du bien. Oh, mais ils l'ont tué, et voilà. Et très bien. Bon, maintenant, on peut partir. Le spectacle est terminé. Adieu. Pourquoi c'était payant? Bougez pas, c'était payant. Non, je rigole. Mais vous avez lu mon brevet, mon roi? Ouais, il est. J'ai pas eu le temps. Alors, attends. Ouais, mais lisez-le. Mais très bien. Bon, en tout cas, Dolan, t'es sûr tu peux être garde royal? Ouais, bah, on va la fermer. Je peux pas apporter une descendance à mon père, non. Ah, bon, bah, tapis pour toi. tapis. Bon, bah, du coup, vous pouvez vaquer aux occupations si vous voulez. On a plus rien d'autre à faire. Oh non, on va jouer au pétanque, à la pétanque, putain, à la pétanque. Venez, on va tous à la pétanque. Et mon. Oui. Mon brevet, c'est très simple. J'ai inventé la banque de fer dirigée. Et c'est pour stocker l'argent des gens. Ah, très et bien. Pour stocker l'argent, il faut payer. Ah, bah, t'es un PD, toi. T'es payé au royaume. Et hop, allez tous à la pétanque, s'il vous plaît. Où je suis, moi Peuple de Tartare, si vous voulez, il peut monter sur mon dos quand vous avez pas de bestioles pour y aller. Moi aussi. Hop là. Et l'autre avait des grippes. Hop là, vous êtes bien. Et c'est parti. Oh putain que vous êtes pas léger. Du coup, là comme vous pouvez le voir, enfin, si vous avez reconnu, je suis à Tolède avec un trébuchet, vous demandez sûrement pourquoi. Alors, du coup, je vais vous expliquer juste un truc vite fait, c'est un petit peu une vidéo bonus, enfin un moment bonus plutôt que je vous montrer là. En gros, Tolède, ils ont des petits problèmes à dire de gouvernement, enfin de gestion, tout ça. Et du coup, en gros, ben, moi je suis là et je vais reprendre le pouvoir à Tolède, comme ça j'aurai Tolède et pour elle, puis tout va bien se passer comme ça. Salut. Donc voilà, et salut Gurdil. Regarde, je vais exploser le château. Et du coup, voilà, je vais juste exploser le château, mais tous les habitants tout m'appartiendront, tout ça. Donc vous allez voir, ça va être mieux du coup au niveau des épisodes. Comme ça, il y aura un peu plus de. Vous me verrez un peu plus à Tolède, tout ça, ça va être mieux dans mon nouveau royaume, enfin dans mon deuxième royaume plutôt. Puis voilà, donc ça va être cool. Allez, poule, feu. Je crois que ça va être un peu trop loin. Oh putain. Et raté. Et voilà, il faut que je vise moins loin. Alors, on va se. Putain, bleu bête, ouais. Ah oui, j'ai foutu le feu partout là par contre. Alors attends, on va recharger puis on va retirer. On va viser un peu plus haut cette fois. Je vais aller voir si ça fait des dégâts du coup quelque part. Sinon c'est stylé, j'aime bien le feu et tout comme ça fait là. Ah, je sais pas si j'ai pété quelque chose. Peut-être que j'ai pété la porte. Ouais. Ah oui, je crois qu'il y avait plusieurs portes. Ouais. J'ai dû en péter une sûrement. Hop là, allez. Désolé pour les messages qu'on m'envoie à foison, je sais pas comment on spam tout le temps en vidéo, ça me saoule. Allez, c'est pas grave. Et hop là. Et strike, hop. Hey, mon roi, vous êtes des cons. Pardon. Ouais. Wouah, ah pardon, excusez-moi, vous m'avez dit quoi? Vous avez le compas dans l'œil. Eh oui. Et non, tu peux pas. Bomba, il est venu direct là-haut aussi. Ah ouais, là, ouais, ah ouais, là. Ah ouais, là. C'est là. Laissez-moi là. Ah ouais, là. Merde, là. Capitaine, servez-vous, hein. C'est chez vous aussi, hein. Eh, Foiseur, faut vous habituer. Ah, de l'or ou pas? Oh, de la viande, putain, on crée avoir plus de fées. Et y'avait rien là-dedans. Allez, foiseau. Ouais, j'ai rangé tout. Château, brûlez-moi tout là. À foiseau, continuez, je vous regarde. Wouah, et tout qui casse. Et hop, continuez à foiseau, continuez à foiseau. Et hop. Prenez tout. Les hyènes, vous les voulez ou pas? Qui veut des hyènes? Vous voulez les hyènes ou pas là? Moi. Eh, le mollet tue pas alors. Wouah.
Oh, moi j'ai mal à la tête de l'espace. Oh, moi aussi j'ai mal à la tête, épisode 12 là. Ouais, je... Enfin, pas des ouais, pillages tous les jours. C'est quoi cette arnaque? Daenerys, on a visé le mauvais zoo. Ah non, mais moi je vise celui du bas. Allez, capitaine. Allez, capitaine, allez-y, allez-y, à foiseau. Ne bougez plus. Il y a que des lettres. Sortez. Stop. Qu'est-ce qu'il y a? Ça me fait totalement. C'est pas grave. Oui, t'inquiète pas, t'es pas seul. T'inquiète. Rassez-moi tout. T'es chiant, je m'en pète. Je vais faire crash le serveur. Et les armures. Et hop! Elle sent le foison. Comment ça, ils ont le trophée de Rockwell? Aïe, hop! Il y a une selle de. Oh, j'ai récupéré un détecteur de trucs. Je vais crever, moi. Attention, il y a un truc qui va péter. Tom, il a pris que t'arrives. Oh putain. Et Tom, voilà, ici, il y a de la bouffe à foison. Va de la bouffe ici. On n'est pas en combat de rue, là, les gars, merde. Il y a plus de bouffe, j'ai tout pillé. Oh, de l'asp! Donnez-lui de la bouffe à foison. Aïe, hop, je vais fêter ça. Moi je prends la bière. Mais prends. Il y a un arche de ta vie ce dehors. Mais oui, c'est bon. Bonjour. Bonjour. Oui. Du coup les amis, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo sur Core RP. En tout cas du coup elle a duré moins longtemps que les autres, en tout cas ça c'est sûr. Mais vraiment voilà, j'espère que vous aurez aimé. En tout cas aujourd'hui il y a un peu plus eu de destruction que d'habitude, surtout de destruction à la catapulte au trébuchet. Pas vraiment eu de PVP parce que voilà, il y a eu qu'un joueur et ben, le PVP au moins Sky m'a défoncé la gueule. Comme vous avez pu le voir sûrement. Et puis sinon, voilà, donc vraiment j'espère que vous avez aimé, ça aurait été un petit peu du pillage et destruction aujourd'hui. Du coup je sais pas si vous avez très bien compris pour la fin dans le bonus, ce que je vous ai expliqué. En tout cas si vous avez pas compris, ben encore une fois, n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous voulez que je réexplique de la prochaine vidéo. Pour être bien sûr que vous compreniez tous. Et puis voilà, donc du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo. N'oubliez pas vraiment le pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis voilà, je sais que vous regardez plus mes vidéos qu'avant. Vraiment, ça me fait plaisir. Là, je viens de regarder mes analytics YouTube, tout ça. Et du coup, je vois que vous regardez plus les vidéos. Du coup, vraiment, c'est cool. Et puis aussi, je vois que les personnes qui sont pas abonnées à ma chaîne encore, qui croisent ma chaîne par hasard, regardent aussi de plus en plus les vidéos grâce à vous parce que vous likez. Et du coup, les vidéos sont un peu plus mises en valeur. Alors, merci beaucoup à vous. Du coup, voilà, continuez s'il vous plaît. Et puis, ça m'aidera à aller un peu plus loin. Donc voilà, je vous dis maintenant à la prochaine pour une autre vidéo. Et puis voilà, je vous emmerde pas plus. Ciao, ciao.